Gauthier Brézard, je suis chef de projet sur Webbook Group. Cyanid, c'est un des principaux studios de développement de jeux vidéo en France quand même. Ça fait 23 ans qu'on fait du jeu vidéo, qu'on fait des jeux de cyclisme tous les ans. On a plus de 50 jeux à notre actif. On a travaillé sur plein de genres de jeux différents, sur des licences très connues comme Cthulhu, Werewolf, Game of Thrones. Voilà, c'est un des bastions du jeu vidéo français. Ce nouveau Bloodborne 3, du coup, c'est une mise à jour des règles. C'est un jeu vidéo qui va suivre la nouvelle édition des règles du jeu de plateau. Un jeu qui jusque-là était géré par la communauté pendant des années, qui est repris de façon officielle par Games Workshop avec cette nouvelle édition Bloodborne Second Season. Donc c'est une nouvelle édition des règles, une nouvelle gamme de figurines également, donc des nouveaux personnages, des nouvelles équipes, de nouvelles règles, un nouveau modèle de suivi après le lancement également avec l'introduction du Blood Pass, la mise en avant des options de customisation, voilà, c'est un Bloodborne plein de nouveautés. Alors, les différences avec le jeu de plateau, on essaie d'en avoir le moins possible, puisque vraiment l'ambition pour Bloodborne 3, c'est d'être le plus fidèle possible au jeu de plateau. Donc on essaie de limiter au maximum les différences. Après, forcément, jouer à un jeu de plateau ou un jeu vidéo, c'est toujours différent. Il y a des choses qui s'adaptent assez mal. Dans le jeu vidéo, on n'a pas ce luxe de pouvoir dire à tout moment, avant que tu fasses ça, moi finalement, je faisais autre chose. Donc il y a des choses qui doivent être adaptées. Après, on a aussi un gros avantage qui est que c'est le jeu qui va gérer tous les calculs, tous les aléatoires. Donc ça va permettre d'avoir des parties qui sont beaucoup plus rapides sur la version jeu vidéo que sur un jeu de plateau. Alors forcément, la nouvelle génération de consoles, ça veut dire plus de puissance de calcul, une meilleure qualité graphique. Là, on a pu avoir un up graphique significatif par rapport à Bloodborne 2, à la fois par la nouvelle génération de consoles et aussi par le passage de notre moteur maison à Unreal Engine. La vitesse de chargement également, Bloodborne 3, c'est chargement instantané. C'est sûr qu'il y a un confort supplémentaire de jeu, une qualité visuelle supplémentaire avec ce nouvel opus, cette nouvelle génération. Bloodborne 3 vient avec un système de Blood Pass, de saison. Tous les 3 mois, il y aura une nouvelle saison avec une nouvelle faction, une mise à jour des règles avec le suivi des modifications des règles officielles par Games Workshop, mais également de nouvelles fonctionnalités ajoutées au jeu et encore une fois du nouveau contenu cosmétique, des pièces d'armure, des couleurs, des ballons, des cheerleaders, énormément de contenu de customisation ajouté tous les 3 mois. Alors, Bloodborne, c'est un jeu qui a été maintenu par la communauté depuis des années, donc il y a déjà un circuit officiel de tournois et de compétitions qui est déjà organisé et maintenu par la communauté. Nous, notre plan avec Bloodborne 3, c'est à la fois de soutenir ça, de servir de support pour que la communauté puisse créer ses propres tournois, et également de proposer notre circuit officiel et de le mettre en avant avec des récompenses à la clé, justement grâce à notre système de saison et de contenu cosmétique. Donc, dimension e-sport, c'est toujours prétentieux de dire que notre jeu va être e-sport. C'est une communauté qui détermine si le jeu va être e-sport ou pas. Nous, on peut donner les outils et ensuite, c'est la communauté d'en faire un jeu e-sport. Je m'appelle Yann Navrant, je suis character artiste à Cyanid depuis à peu près 4 ans. Donc, je suis arrivé au début du projet. Donc, j'ai commencé à faire tous les persos à partir de là, et là, on voit vraiment le bout du jeu. Du coup, je suis Johan Drull, je suis lead cinematic artist sur le projet, et j'ai aussi écrit la campagne du jeu. Et comme Yann, je suis arrivé en 2019, au début du projet, et effectivement, on voit le bout. Mon point de vue purement artistique, le style graphique est radicalement différent. Il est beaucoup plus cartoon, un peu moins réaliste, il est beaucoup plus coloré, et je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus des figurines. Et du coup, je vais compléter un peu avec la partie gameplay. Le gros truc, c'est qu'on adapte les nouvelles règles du jeu de plateau. Et donc, du coup, il est beaucoup plus fidèle en termes de jeu à une expérience de jeu de plateau qu'on peut avoir avec les figurines. Du fait d'être passé sur une version jeu-service, est-ce que ça a changé quelque chose, vous, sur votre approche artistique ?
Côté cutscene, pas vraiment. Je pense que ça a plus impacté Yann que moi. Ouais. Parce qu'il y a vraiment la côté customisation, qu'il faut qu'on pense en amont sur tous les personnages, ce qui fait qu'il faut qu'on ait assez d'idées pour créer du contenu dans le temps, quoi. Et pas juste pour le jeu une fois qu'il est fini. Donc ça, on a quand même dû penser pas mal ça en amont, comment on va séparer chaque partie des persos pour pouvoir avoir plus d'éléments customisables pour tout le monde, quoi. Et ça, par contre, on a dû beaucoup réfléchir à ça. Et c'est assez intéressant à faire. Et je pense que ça convient bien à un jeu comme Blood Bowl, justement. Surtout ce qui est cutscene, du coup, les deux grosses parties du travail, c'est les cutscenes au sein du gameplay. Donc des actions précises au sein d'un match qu'on va vouloir mettre en avant et rendre plus spectaculaire. Et après, tu as tout ce qui est cutscene campagne qui vont apporter au contexte de la campagne. Donc dans le cas de Blood Bowl 3, comme la campagne tourne autour des sponsors, c'est à la fois introduire les personnages de la campagne et des fausses publicités qui vont présenter les faux sponsors et qui ont un côté un peu parodique qui vient directement du jeu de plateau. C'est un peu ce qui fait l'essence du jeu, l'humour particulier. C'est ça. C'est lui qui injecte ça dans le jeu. Il y a un côté un peu, il y a un humour grinçant qu'on essaye de reproduire dans la campagne. Bah, moi, c'est surtout de faire vivre les personnages qui sont à la base que des petites figurines, leur donner une expression des visages assez remarquable pour qu'on puisse s'attacher, ou au moins avoir le personnage préféré parmi toutes les équipes et tous les personnages. C'est surtout ça que j'essayais de faire ressortir le plus. Puis après, ensuite, on essaie de coller au mieux aux armures, au style des persos, tout en gardant un peu notre patte, un peu cartoon. C'est ça qui était intéressant à bosser. Moi, me concernant, vu que je suis un peu perfectionniste, j'aime bien travailler les persos jusqu'à ce qu'ils soient vraiment bien. Et vu la quantité de persos qu'on avait, j'ai dû faire en sorte de accélérer, quoi. Avec tous les persos qu'on a, on devait avoir une façon de faire beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et donc on a dû s'adapter pour un petit moment pour ensuite avoir un flow un peu moins tendu, on va dire. Et pour être sûr que tout le monde ait le même style, qu'il n'y ait pas des persos plus détaillés que d'autres, que tout le monde garde la même charte. Surtout ça, le travail, enfin le défi qu'a dû être fait pour nous. En cinématique, c'est... Alors sur la campagne, ça a été encore une fois trouver le ton juste sur l'humour qu'on voulait avoir, être d'accord avec Game Workshop là-dessus, parce qu'il y a une relation de travail et de confiance entre nous et eux. Et puis sur les cutscenes, gameplay, c'est un peu la même chose que Yann, c'est-à-dire qu'il y a une grosse variété de cutscenes, beaucoup de persos, beaucoup d'animations. Et donc du coup, ça demande à produire beaucoup de variantes, etc. Et donc du coup, il faut éviter de se répéter dans son travail. Au sein du gameplay, en fait, c'est un travail de hiérarchie, en se disant sur quelles actions le joueur va avoir envie d'avoir une cutscene, aka sur quelles actions sont importantes à mettre en avant pour avoir un côté spectaculaire dans l'action. Et donc à partir de là, on a défini une liste d'actions qui correspondent à ces critères-là. Et ensuite, on s'y tient. Et après, à côté de ça, t'as des cutscenes qui viennent rythmer le match, c'est-à-dire tous les moments clés du match, c'est-à-dire les entrées de match, les présentations d'équipe, la mi-temps, le changement de drive, etc., etc. Et donc ça, c'était les trucs qui existaient déjà sur BB2 et qu'on a essayé encore un peu de pousser. Et après, c'est sur quelques cas particuliers, on a fait des choses qui étaient aussi pas sur BB2, c'est-à-dire sur des moments hyper cruciaux au sein du match, notamment la mort d'un joueur. Tu tapes un joueur adverse, il meurt. T'as des cutscenes spécifiques. Sur une blessure pareille, t'as des cutscenes spécifiques. À chaque fois, c'est toujours rendre plus lisible et rendre plus spectaculaire. En général, ça marche bien. Quand t'as un perso meurt et que ça ralentit sur la scène, tu le sens vraiment passer, tu sens plus l'impact. Et c'est ça qui est intéressant aussi de bosser sur ce projet, de voir toutes les choses se rassembler au final pour faire tout ce qu'il y a ensuite, pour avoir le résultat final pour les joueurs.